Allez, je dirais pas plutôt on commence, plutôt on finit, mais il y a une partie il y a une partie très sérieuse, et puis ensuite, heureusement, il y a un moment de détente. Ce qui veut dire que pour la première fois depuis des mois et des mois et des mois, on a la chance de se retrouver, au moins pour partie d'entre nous, en présentiel, ce qui est vraiment un cadeau en soi. Donc je voulais vous souhaiter la bienvenue. La bienvenue, non pas au nom de l'université, puisque Madame la Présidente le fera, mais au nom de la Fondation Université Paris-Cité. Et tu remarques que même le logo a été mis à jour. Et vous savez que cette fondation, elle a une triple mission. Elle a d'abord la mission de mettre en lumière et de soutenir les travaux de quelques 7868 ou 10 enseignants-chercheurs, ce qui fait de l'Université Paris-Cité la plus grosse université de France et une des plus grosses d'Europe. La deuxième fondation, c'est de faire des ponts. La deuxième mission, c'est de faire des ponts entre les générations. Des ponts, et c'est typiquement ce qu'on fait avec la formation et la recherche, des ponts entre le secteur dit public et le secteur dit privé, c'est-à-dire nouer des partenariats, des mécénats, et c'est exactement à ça que s'occupe une petite équipe, l'équipe de la Fondation, qui est très proactive. Et vous savez bien que si on est capable de monter un événement comme ça, c'est que tout le monde a travaillé sauf moi, et que moi je fais juste le battleur. Et que l'une de nos préoccupations, car c'est le motto de la Fondation, c'est d'analyser, de comprendre et si possible d'anticiper les crises, que ce soit des crises sanitaires, des crises environnementales, des crises culturelles, des crises générationnelles, des crises économiques, et bien entendu, ce ne serait pas drôle du tout si ces crises étaient séparées les unes des autres. La plupart du temps, elles sont évidemment intriquées, ce qui fait à la fois leur complexité, leur gravité et l'urgence de s'y intéresser. Alors aujourd'hui, on a choisi de s'intéresser à la santé environnementale, ce qui est une façon de dire qu'on s'intéresse à la santé globale. Et que s'intéresser à la santé demain, c'est de s'intéresser à beaucoup d'autres choses qu'à la santé, grâce aux équipes de l'université. Et c'est Madame la Présidente de l'université qui, en l'absence de ma présidente de la Fondation, qui est très désolée de ne pas être là parce qu'elle est retenue par un sale mal de dos, mais ce n'est pas grave et ce n'est pas un secret médical, m'a chargée de vous transmettre à la fois ses excuses et tous les souhaits de réussite pour cette soirée. Christine. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le délégué général, cher Gérard, chers collègues et mesdames et messieurs. Donc bienvenue au sein d'Université Paris-Cité pour ce premier after-work de notre fondation. Dire que l'Université Paris-Cité est une université citoyenne et qu'elle a inscrit ça comme un de ses axes stratégiques majeurs. Et nous cherchons tous les jours à essayer de répondre à cet enjeu que nous sommes fixés. Et ce n'est pas forcément très simple, mais on y met beaucoup d'énergie. Université Paris-Cité, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une université pluridisciplinaire de recherche intensive. C'est-à-dire que nous avons au sein d'Université Paris-Cité un éventail de disciplines absolument incroyable qui va de la santé aux sciences expérimentales et aux sciences fondamentales, aux sciences sociales et aux humanités. C'est un éventail absolument incroyable et qui nous permet d'avoir,
pour nos formations, pour nos étudiants, des formations très multiples, d'avoir une recherche très diversifiée, mais surtout d'avoir la capacité de mettre ensemble les disciplines autour de projets bien définis et qui associent les sciences sociales, les sciences dures et la santé. Et ça, je crois que c'est indispensable pour pouvoir demain répondre aux grands défis sociétaux, que ce soit le climat, que ce soit l'environnement et son rôle sur la santé, et plus largement d'ailleurs sur tout ce qui concerne en fait les données en général, notamment les données de santé. Donc la thématique qui a été choisie ce soir, et comme je n'arrive pas à lever la tête, je vais le lire, est un environnement et santé. Comment et pourquoi l'environnement est-il un déterminant pour notre santé, c'est-à-dire comment vivre mieux, plus longtemps, plus âgé et en meilleure santé dans un environnement plus sain. Donc c'est des challenges un peu multiples sur lesquels probablement on va avoir quelques réponses ce soir. Et donc c'est vraiment avec plaisir que j'ouvre cet afterwork. Nous devons passer à une plus grande éco-responsabilité pour assurer la pérennité de la planète et donc notre devenir. Et ceci passe par un acte de solidarité, je crois, entre notamment au niveau de la société, mais ça s'adresse également plus largement à l'ensemble des universités et donc à notre université de pouvoir développer des outils et des solutions de demain. Alors, dans le domaine de la santé, mais dans beaucoup d'autres domaines, en fait, c'est évidemment très, très multidisciplinaire. On sent bien, et on le sait, un virage numérique important qu'il faut prendre en compte aussi dans le sujet de l'environnement. Il y a le sujet des données derrière. Et donc, en santé, c'est aussi un moyen de mieux vivre, mieux se soigner et d'assurer un écosystème environnemental de bonne qualité. Alors ce soir, nous avons réuni un panel d'enseignants-chercheurs et de chercheurs remarquables qui vont vous exposer successivement leurs hypothèses et leurs solutions. Et nous avons également présents ce soir des représentants de la société civile, des industriels, des entrepreneurs et des responsables d'État fortement engagés sur cette thématique. Donc vous aurez évidemment l'occasion d'échanger avec eux au cours des différentes sessions. Et voilà, je vous souhaite un très bon moment, de très bons échanges et que ça puisse faire avancer aussi la recherche dans notre université. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine. Alors. Voilà. Et maintenant, je vais donner la parole à Florence Brunet Possenti, qui est dermatologue et vénérologue à l'hôpital Bichat, qui est responsable de l'enseignement enjeux climat-santé de l'UFR de médecine Université Paris-Cité. Et je vais laisser Florence ouvrir cet afterwork. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je voulais profiter de cette courte introduction pour souligner le fait qu'en médecine, le lien entre santé et environnement a toujours été pris en compte. Donc on peut prendre pour exemple Hippocrate, qui dans l'un de ses traités écrivait, je le cite, « Pour approfondir la médecine, il faut considérer d'abord les saisons, connaître la qualité des eaux, des vents, étudier les divers états du sol et le genre de vie des habitants. » C'était là une première définition, déjà très élaborée, de ce qu'est la santé environnementale. Un autre exemple, un peu plus contemporain, d'un médecin très soucieux du lien entre santé et environnement, c'est celui du Dr House, qui, dans la série éponyme, envoie systématiquement ses étudiants fouiller scrupuleusement le domicile des patients à la recherche d'agents toxiques ou infectieux. Alors oui, c'est une série télé, c'est assez caricatural, mais ça illustre néanmoins assez bien l'importance que l'environnement a dans notre démarche diagnostique. Donc ce lien, on le connaît.
Mais ce qui a changé depuis Hippocrate et même depuis House, c'est que les technologies évoluent très vite et donc on a une bien meilleure connaissance des constituants de notre environnement. Donc on sait par exemple maintenant que les plastiques, en particulier les micro et les nanoplastiques, sont présents dans tous les compartiments de notre environnement, que ce soit le sol, l'eau, l'air et les espèces vivantes, notamment l'homme, chez qui on a récemment diagnostiqué, on a récemment détecté la présence de plastique dans le sang, et on a aussi mis en évidence la présence de plastique dans les placentas humains. Ce qui a évolué aussi, c'est une meilleure compréhension des conséquences des diverses expositions sur notre santé, notamment grâce à des modélisations beaucoup plus performantes qui nous permettent de prendre en compte les multi-expositions. Et ça, c'est le cas pour l'effet cocktail des perturbateurs endocriniens, sujet qui sera développé ultérieurement dans la soirée. Enfin, une grande avancée de ces dernières années, c'est notre prise de conscience collective de l'impact que nous avons sur notre environnement. Et ça, on le doit aux réseaux sociaux et aussi à la médiatisation des travaux scientifiques. Et là, on peut prendre pour exemple le dernier rapport du GIEC qui a bénéficié d'une grande couverture médiatique, ce qui n'avait pas forcément été le cas pour les précédents rapports. Donc on intègre progressivement le fait que notre état de santé dépend en grande partie de notre environnement et que cet environnement, il est façonné par nos activités humaines et nos modes de vie. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet avec la première table ronde, je voulais vivement remercier les membres de la Fondation de l'Université Paris-Cité pour avoir organisé cette soirée. Et aussi un grand merci d'avoir choisi ce sujet santé-environnement, parce que ça envoie un signal très positif à l'ensemble des enseignements des différentes facultés qui constituent notre université et qui, pas mal sur la base du volontariat, mettent en place des enseignements dans leur discipline pour enseigner les enjeux de l'anthropocène. Parce qu'on va le voir au fil de la soirée, pour mieux comprendre et atténuer le plus possible les effets néfastes de certaines composantes de notre environnement, on a vraiment besoin d'une approche multidisciplinaire. Merci pour votre écoute et bonne soirée. Merci beaucoup Florence. Eh bien on va y aller. Et donc on va commencer le premier débat. Je vais demander à Robert Baroucki, à Xavier Coumoul et à Sylvie Gillet de bien vouloir venir sur le... Devant, oui, s'asseoir, s'il y arrive. Et je pense que, comme vous êtes des grands, je vais vous demander de vous présenter vous-même parce que vous le ferez beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. Ok, merci beaucoup. Donc, écoute... on va commencer par Sylvie, alors. Bonjour à tous. Et je crois d'ailleurs qu'il y a une retransmission, c'est ça, donc aux nombreuses personnes qui auront la curiosité d'aller un peu plus loin sur cette notion qui a gagné en visibilité, moins que le climat quand même. Donc je suis Sylvie Gillet. Je travaille depuis les 15 dernières années à faire en sorte que les grandes entreprises intègrent mieux l'environnement dans leurs stratégies et leurs opérations. J'ai d'abord fait ça à la direction du développement durable de Michelin, qui a quelques enjeux en santé environnementale, et ensuite dans le réseau d'entreprises EPE, Entreprises pour l'environnement, et je viens de récemment continuer à évoluer, puisque je suis maintenant en charge des sujets biodiversité, dans le réseau ORE, qui est un réseau multi-acteurs. Je suis sociologue de formation, j'ai un doctorat en sciences politiques, donc sciences molles, mais qui aide beaucoup à la compréhension de ces enjeux, des interactions et de la médiation nécessaire. Ça doit marcher. J'y vais, Robert ou moi ? Vas-y. Okay. Je m'appelle Xavier Coumoul, je suis professeur à l'Université Paris-Cité. Je suis directeur d'une équipe INSERM qui s'intéresse à la caractérisation du mécanisme d'action des polluants avec différents types de modèles utilisés sur lesquels on reviendra. Je suis également donc enseignant, responsable d'une mention qui est la mention toxicologie, écotoxicologie,
et je m'intéresse à tout un tas d'autres éléments qui cherchent à faire rayonner l'université. Je suis vice-président culture et rayonnement scientifique également de l'université et je suis directeur de l'équipe dans laquelle, à laquelle Robert appartient. Ce qui te permet donc du coup de, voilà, d'enchaîner. Merci, monsieur le chef d'équipe. Donc, Robert Barouki, donc, je suis professeur à la faculté de médecine de l'université Paris-Cité. Quel beau nom, parce que pour une université citoyenne, au fond, on nous a rendu un grand service. Donc, et puis, je dirige une unité de recherche donc, située au Saint-Père de cette université. Je suis aussi chef de service à Necker. Je m'intéresse à aux problématiques santé-environnement et on va peut-être démarrer. Donc on a décidé de ne pas vous faire chacun un petit topo pendant 5 ou 10 minutes et puis à la fin une discussion. On va intervenir tous les trois au fur et à mesure et on a quand même pensé mettre quelques diapos. En gros, ce qui va se passer, c'est que je vais, soit Xavier, soit moi, on va aller commenter la diapo, et puis Sylvie va réagir à chaque fois pour nous dire qu'en fait, soit on était complètement à côté de la plaque, soit pour compléter les choses. Soit voilà. Qu'on a rien compris. Mais... pour servir à quelque chose, je peux passer les diapositives. Mais je sais faire, hein, je sais. Repose-toi, Gérard. Non. Écoutez, donc on va commencer par vraiment une vision extrêmement large. C'est un programme de la Commission européenne donc, que nous avons coordonné dans le laboratoire avec beaucoup de partenaires européens, dont le but était de proposer à la Commission des propositions donc, de recherche pour les 10 années à venir dans le champ environnement, climat et santé. Donc ça s'appelait, parce que c'est fini il y a quelques jours, Héra, comme la déesse grecque. Et en gros, on a réparti ça en plusieurs grands objectifs, et que je vais résumer très rapidement en une minute. D'abord, travailler sur les effets des changements globaux et leur relation avec la santé, donc changement climatique, perte de biodiversité. Il y a encore des besoins de connaissances. On sait déjà pas mal de choses sur changement climatique et santé. Pour biodiversité et santé, il y a encore du champ pour mieux améliorer les choses. Donc ça, c'est le premier grand objectif sur des changements globaux. Deuxièmement, on a des propositions sur des situations, c'est-à-dire la vie dans la ville, bon, la cité, la vie urbaine, la vie dans le milieu rural, la vie dans le monde du travail, les sites pollués. Là, il y a des propositions spécifiques pour améliorer les connaissances dans ce cadre-là. Le troisième aspect, c'est travailler sur les facteurs de stress eux-mêmes. Bon, les produits chimiques, certains produits chimiques, les agents physiques, des agents biologiques. Et donc là, on va avoir l'occasion d'en reparler un peu plus. Quatrième point très important, c'est essayer d'avancer sur notre capacité à évaluer l'impact sanitaire de ces facteurs. Est-ce que les perturbateurs endocriniens sont responsables de quel pourcentage de cancer, de quel pourcentage d'obésité, etc. C'est toute une science, mais l'OMS avance beaucoup là-dedans. D'ailleurs, l'OMS met la pollution comme le premier déterminant de mortalité mondiale, devant le tabagisme et les maladies infectieuses. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que quand on sait déterminer la part d'un facteur dans une maladie, on peut le monétiser. On peut dire c'est tant de milliards par an. On l'a fait pour les perturbateurs endocriniens, c'est 150 milliards par an en Europe, voilà, tous les ans. Cinquième point, développer des infrastructures pour doser les substances chimiques. Ça manque, ça commence en Europe, mais pour doser, pour les datas, pour stocker les datas, les rendre interopérables, etc. Pour, par exemple, des grandes cohortes à l'échelle européenne. C'est nécessaire pour la recherche, c'est nécessaire bien au-delà, d'ailleurs, de la recherche. Et quand on a eu la pandémie, on était bien content d'avoir des cohortes qui existantes sur lesquelles on a pu s'appuyer. Et enfin, tout ceci va nécessiter une adaptation, une résilience sociétale. Et donc, il y a toute une série de propositions qui tournent autour de ces problématiques sociétales. Pour finir, je rappelle que l'environnement, ce n'est pas que les choses qui vont mal. On va surtout parler des choses qui vont mal. Mais c'est aussi, il y a des choses qui vont bien. Et on sait que c'est bon pour la santé humaine. Donc, les espaces verts, les plans d'eau, etc. Donc, c'est à la fois parfois les problèmes, mais c'est aussi parfois la solution. Sylvie ? J'ai rien préparé, hein. Donc je réagis à chaud. C'est un programme très ambitieux, mais c'est important de mettre dès cette étape de recherche
les industriels. Parce qu'il faut à tout prix que dès la recherche et l'innovation, il y ait cette prise de conscience des effets des substances, des effets cocktails. Les industriels doivent effectivement avoir une approche par le risque et une veille multi-experte. Vous voyez bien qu'on brasse, très très large, on casse les silos, on casse les secteurs. Et on ne peut pas être seulement dans le curatif, on doit être dans la prévention et c'est important d'intervenir au niveau de l'innovation parce que la santé environnementale peut favoriser l'innovation. Et ça, c'est important. Ce que je ne vois pas aussi assez, c'est le rôle des pouvoirs publics. Et c'est quand même aux régulateurs de poser le cadre et on a besoin d'une législation qui effective. REACH a beaucoup aidé, mais il faut aller plus loin. Il faut un régulateur à l'échelle européenne, voire mondiale. Et c'est aussi important de créer des lieux comme celui-ci, mais également des cénacles où se côtoient des représentants des pouvoirs publics, des industriels, des associations, des ONG, des citoyens, car c'est important que les comportements individuels se modifient. Je ne dis pas qu'il faut faire reposer la responsabilité des pollutions et de l'effet des substances sur les individus, mais c'est vraiment important de créer de la sensibilisation. Et on parlera un peu plus tard, et d'ailleurs Franceline est là, Franceline Marano, de l'intérêt du plan national santé environnement 4 et du groupe santé environnement. Voilà, donc je rajoute mon grain de sel. Intégrer les industriels qui doivent être mis dès le départ dans ces phases de recherche. Et il y a de la recherche privée à mobiliser. Et les particuliers, les citoyens. Je ne sais pas si ça marche. Ça marche, ça. Je pense, non, tout à fait d'accord. Une connaissance précise et robuste est intéressante pour la société, le public et pour les industriels. Elle est intéressante pour tout le monde. Xavier, tu peux attaquer le... Oui, je peux même faire une transition. Il y a aussi probablement, en termes de sensibilisation, beaucoup à faire en termes de formation, et ce, dès le plus jeune âge. Oui, il y a, comme on le voit sur cette diapo, c'est jamais très bon signe quand on voit un iceberg. D'ailleurs, il y en a deux. Sur cette diapositive, on a une illustration de l'ampleur de la tâche qui est devant nous. Car cet iceberg représente en fait le nombre total de substances chimiques qu'on trouve sur le marché. Un chiffre très simple à retenir, c'est 100 000. Avec des subdivisions qui illustrent tout simplement le fait que ce que l'on voit, c'est-à-dire ce qui est en blanc sur cette diapositive, 500 substances sur le marché, seulement 500 substances, sont très bien connues en termes d'effets sur la santé. En tout cas très bien caractérisées. Et ensuite, vous avez une subdivision vers le bas qui illustre notamment au travers du dernier chiffre, 70 000, le nombre de substances, donc la très grande majorité, 70%, pour lesquelles on ne connaît quasiment rien. Ça pose quand même un gros problème d'échelle. Ça signifie qu'on met sur le marché des substances qui n'ont peut-être aucun effet, parce qu'il ne faut pas non plus culpabiliser les industriels dont on vient juste de parler et qui commercialisent des produits qui peuvent effectivement être bénéfique pour la santé, et les médicaments en font partie, même si ceux-ci peuvent aussi se retrouver dans l'environnement et poser des problèmes. Et donc, il ne faut pas avoir une approche manichéenne. Mais on voit bien sur cette diapositive qu'il y a un très grand nombre de substances pour lesquelles on ne connaît pas les effets sur la santé et parfois également l'effet sur les écosystèmes. Donc, on a besoin, et c'est ce qui est illustré tout en bas, d'approches qui permettent de mieux comprendre l'effet de ces substances. Et en fait, ce qui est à droite est donc une reproduction de l'image qui est à gauche, qui est aussi une image d'un iceberg. C'est d'essayer d'illustrer le fait que la connaissance que l'on peut avoir des molécules que l'on connaît bien, learning more on these chemicals, devrait nous aider à mieux connaître celles pour lesquelles on ne connaît pas les effets. Et alors pour faire ça,
On peut évidemment avoir des approches expérimentales qui sont très très longues, néanmoins à mettre en place, mais surtout de plus en plus essayer de développer des techniques de toxicologie prédictive basées certes sur les approches expérimentales, mais de plus en plus sur des approches qui sont indiquées sur la diapositive comme computationnelles. Donc comprendre ici que la bioinformatique, la biologie des systèmes va nous aider dans cette démarche complémentaire pour essayer de comprendre l'effet de substances pour lesquelles on ne connaît pas d'exemple, on ne connaît pas de bien les propriétés. Un exemple très classique, le bisphénol A, plus de 10 000 publications dans la base de données PubMed, le bisphénol S, il y a encore 2 ans, 100 de publications. Malgré tout, ces substances remplacent le bisphénol A et avec des effets qu'on ne connaît quasiment pas sur la santé humaine, malgré des caractéristiques chimiques extrêmement proches. Oui, je voudrais d'abord réagir sur ces chiffres. Il se trouve qu'il y a un excellent documentaire en ce moment sur Arte consacré à Rachel Carson, Printemps silencieux, enfin à l'œuvre de Rachel Carson. Du coup, j'ai eu envie de relire ce texte que j'avais lu il y a trop longtemps et un chiffre m'a marqué, m'a bouleversé. C'est-à-dire que Mademoiselle Carson, comme on l'appelait à l'époque, s'offusquait qu'il y ait 500 substances chimiques par année produites aux États-Unis, 500 en 1962, 100 000 en 2022. Donc, vous voyez, c'est absolument vertigineux. Et l'augmentation des substances, l'augmentation des mélanges, avec cette idée que j'aimerais vous transmettre. Je côtoie, je discute depuis longtemps avec des industriels, des dirigeants, des directeurs environnement qui sont jamais très à l'aise à parler de santé environnement, à en parler publiquement, parce que c'est un sujet qui peut engager leurs responsabilités et où eux se sentent pas en prise directe, c'est-à-dire que à partir du moment où ils ont reçu l'autorisation de mettre sur le marché des substances, ils ne voient pas forcément où est le problème, et la responsabilité indirecte croisée, cette idée que tout est multifactoriel, compliqué, c'est complexe, ce livre là aussi majeur sur les marchands de doute. Laisse l'idée qu'on s'en occupe, mais on le fait à bas bruit. Et si on communique, c'est qu'il y a forcément un problème. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a a priori jamais l'idée de mal faire ou de vouloir exposer les populations à des risques quels qu'ils soient. Et ça, ce serait intéressant de pouvoir se défaire de cette posture qu'il y aurait d'un côté des lanceurs d'alerte, des ONG. On a vu ce qui s'est passé avec cette interdiction trop rapide du bisphénol ou du titane. Et de l'autre côté, des industriels qui seraient des apprentis sorciers. C'est plus compliqué et il y a une volonté d'intégrer l'état des connaissances, d'intégrer la complexité et d'avoir effectivement une approche plus fine, mais de bien comprendre où se situe la responsabilité des industriels. L'approche plus fine actuellement, notamment dans le domaine chimique, mais pas uniquement, on tend à développer ce qu'on appelle des produits safe by design, donc des produits sûrs dès la conception. Pourquoi ? Et c'est là que les aspects computationnels et bioinformatiques sont intéressants. Plus on connaît de choses, plus on sait concevoir des substances qui, dès le départ, seront moins problématiques sur le plan environnemental et moins problématiques sur le plan toxique. Donc il y a des efforts qui sont faits à l'échelle européenne, très, très clairement là-dessus. Donc, on a vu beaucoup d'expositions. Nous l'appelons dans notre jargon l'exposome, parce que c'est l'ensemble en fait des expositions
que nous subissons, chimiques, physiques, biologiques, psychosociales, donc l'exposome, tout ce qui n'est pas génétique, hein, si je veux résumer. Mais il y a un autre aspect très important dans l'exposome, c'est l'aspect temporel, c'est-à-dire ce sont les expositions vie entière. Et ce qui nous a concernés pendant la vie fœtale ou la petite enfance, eh bien, peut se traduire par une augmentation de risque d'avoir certaines pathologies beaucoup plus tard dans la vie. Et vous voyez ici, quand je dis tout ce qui nous a concernés, ça peut être des produits chimiques, des expositions chimiques, ça peut être de la drogue, de l'alcool, ça peut être de la famine, hein, des déséquilibres nutritionnels, des stress, de la maltraitance. Il y a des travaux aussi là-dessus pour la petite enfance. Donc. Et ça, c'est une notion qui, pour nous, est tout à fait fondamentale, parce que c'est plus difficile à travailler. Hein, quand on a des dizaines d'années, voire des générations, hein, on a parlé d'intergénérationnel, voire des générations, et tu as parlé de Carson, c'était le DDT qui l'avait concerné. On vient, par exemple, de découvrir que les filles dont les grands-mères ont été contaminées plus fortement par les DDT ont une augmentation, les petites filles dont les grands-mères ont été contaminées par les DDT ont une augmentation du risque de faire un cancer du sein. C'est quand même pas rien. Donc. Et pas les personnes exposées. Et puis, voilà, les personnes exposées, parfois, n'ont pas la même exposition. Donc, en gros, c'est vie entière qu'il faut voir les choses. Il y a des périodes de vulnérabilité particulières. C'est un sujet qui peut, bien sûr, nous intéresse à Paris-Cité sur le plan de la recherche, mais il y a des maternités à Paris-Cité, il y a de la pédiatrie, et je pense qu'il y a tout un sujet qui doit être développé dans ce cadre-là. Tu veux commenter le... Oui, rappeler aussi, parce que là on voit des humains essentiellement et uniquement, rappeler cette approche One Health, santé globale, santé des écosystèmes, santé humaine, santé animale, santé humaine, santé des écosystèmes, tout est lié. On a tout à l'heure parlé des zoonoses. On a mieux compris les pressions exercées sur la biodiversité qui effectivement favorisent la transmission d'épidémies. Mais c'est vraiment important d'avoir cette approche systémique qui est qu'une nature en meilleure santé favorisera, en tous les cas, une meilleure santé humaine. Pas vite sur l'épigénétique. Et donc, il y a un besoin, comme c'est indiqué au bas de la diapositive ici, de développer des approches aussi d'épigénétique. Alors, qu'est-ce que c'est l'épigénétique ? En fait, cette diapo, elle essaie d'illustrer l'importance que peut avoir cette science, qui n'est pas si nouvelle que ça, mais qui est très importante désormais dans le champ de l'environnement, sur, par exemple, l'apparition de certains événements de santé. On a à gauche de la diapositive la molécule d'ADN qui est représentée et on voit, et on le sait, que des variations génétiques, comme la myopathie de Duchenne, peuvent avoir des influences sur le développement typiquement d'une myopathie, quand on a une mutation génétique qui est connue. On sait que des facteurs environnementaux peuvent influencer le fonctionnement de cette molécule d'ADN. On sait que fumer une cigarette régulièrement, chaque jour de sa vie, ça peut finir par entraîner, par exemple, un cancer du poumon. Qu'est-ce que c'est que l'épigénétique ? Pour l'illustrer, si je prends un exemple assez simple, si j'écris sur un tract « manger beaucoup de fruits », c'est plutôt un message qui est très positif. L'alphabet, manger beaucoup de fruits, eh bien, c'est la génétique. On lit notre alphabet ATGC, un peu plus complexe ici, manger beaucoup de fruits, et le message, il est plutôt positif. L'épigénétique, son effet, ça va être de mettre des coups de marqueur ou de typex, ou typiquement de stabilo sur certains éléments de la phrase. Si j'enlève, par exemple, à l'aide d'un marqueur, deux fruits dans ma phrase, ça devient manger beaucoup. Vous voyez que le message est complètement différent. C'est exactement l'effet de l'épigénétique. L'épigénétique ne modifie pas la séquence de l'ADN, mais elle va modifier le sens de la lecture de cet ADN et donc l'expression de cette molécule d'ADN. Et typiquement ici, eh bien, on sait que des modifications épigénétiques liées à des facteurs environnementaux, désormais, peuvent se traduire par des événements de santé comme l'obésité. On va passer sur un des aspects peut-être les plus importants, que ce soit dans le domaine de la recherche ou dans la décision publique, qui est la nécessité, vu tous ces changements, d'opérer une transformation au niveau de la société pour plus de résilience, plus d'adaptation à ces changements importants. Donc nous avons eu une réflexion assez large, à la fois sur augmenter notre préparation à des crises, améliorer la communication pendant les crises et en dehors des crises sur ces questions-là,
la transformation digitale qui a été évoquée tout à l'heure, il y a un schéma ici assez marrant. On vit finalement, c'est ni le PDG ni le responsable informatique qui a accéléré ça, c'est le Covid qui a accéléré de manière dramatique, et les crises ont cet effet-là. Et puis nos responsabilités vis-à-vis des générations futures. Il y a des philosophes et des gens spécialistes de l'éthique qui nous ont aidés à réfléchir là-dessus. Donc il y a, et ce qu'on se dit quand on voit ces problématiques sociétales, c'est que souvent, à la limite, trouver les approches pour, et les idées et les projets pour améliorer tout ça existent, mais la réalisation pratique, l'implémentation de ces projets est parfois problématique, et on n'arrive pas à arriver à ce but. On sait qu'il faut arrêter de fumer, mais on a un peu de mal à arriver à avoir une efficacité totale dans ce domaine, et c'est vrai dans beaucoup d'autres domaines. Donc il y a une recherche spécifique qui doit être faite sur comment améliorer l'implémentation des objectifs. On a parlé de génération. Alors vous voyez là, c'est toute une liste de dénominations des différentes générations, les baby boomers, la génération X, les millennials, la génération Y, la génération Z. Et en gros, la génération qui arrive là, finalement, va être tellement impactée par le changement climatique qu'on pourrait proposer de l'appeler une génération CC pour crise climatique, parce que c'est un peu de ça qui va les occuper pendant très longtemps. Oui, c'est pas très joyeux. Hein. On pourrait l'appeler la génération anthropocène ou la génération Il faut une lettre. Ouais, de la grande transformation. L'IBES parle de l'IBES, qui est le GIEC de la biodiversité, parle de changements transformateurs. En tous les cas, vous avez compris qu'on a besoin de tous les savoirs, de toutes les disciplines et de l'implication de tous les acteurs pour réussir à aller au-delà des diagnostics et effectivement opérer une approche intégrée de cette santé globale. Et on n'a plus de temps pour se catastropher et s'alarmer. Time to act. Merci beaucoup à vous trois. Merci pour la qualité des explications. Merci pour votre interaction. Et on est prêt pour quelques questions. On a un petit peu de temps pour quelques questions. Moi, je suis déçu un tout petit peu parce que je pensais que la génération CC était la génération Christine Clerici. Si, j'ai pensé à ça aussi. Et donc, petite déception, mais en revanche, je voudrais simplement ajouter que les réflexions de Xavier, de Robert et de leurs équipes autour d'eux ont fait sécréter un projet, le projet d'une chaire qui s'appelle la chaire Environnement, Toxicité et Vulnérabilité, que nous portons avec eux et pour lequel nous cherchons évidemment du mécénat et du partenariat si c'est plus adapté. Et c'est l'un des projets phares que nous portons avec ces équipes aujourd'hui. Qui a des questions? Qui voudrait dire que tout va bien et que... Marc? Oui, Anne Jean Blanc-Lepoint, je trouve que c'est formidable l'idée de produire des produits sains, mais l'effet cocktail, vous n'y arriverez jamais à le prévoir. Et actuellement, c'est un petit peu ça le drame, c'est l'amplification par la multiplication des substances. Je ne suis pas sûr qu'on n'y arrivera pas. Je pense qu'on a quand même beaucoup amélioré notre capacité à comprendre, à prévoir un peu les effets cocktails. Ça passe aussi par une connaissance des mécanismes, c'est-à-dire si vous avez plusieurs substances qui ont un même mécanisme de toxicité, vous pouvez prévoir les choses et vous pouvez faire des additions de doses qui permettent un peu de deviner ce qui peut arriver. Pour les autres substances, ça peut être parfois plus compliqué, mais je dirais régulièrement, on avance un peu et je pense qu'on pourra un jour être un peu plus précis sur les effets cocktails. Oui. Donc, je suis entièrement convaincu de tout ce que vous avez dit, mais à la limite, le présenter comme ça peut être aussi un peu démobilisant, parce que bon, il y a,
il y a 100 000 substances, donc on commence par où, quoi. Par quoi on commence et qu'est-ce qu'on fait pratiquement? Alors, la première chose à faire, je pense, c'est que dans la chaîne de responsabilité, et j'insiste sur le mot responsabilité, il faut vraiment sortir du concept de culpabilité. C'est-à-dire qu'on a parfois tendance sur des thématiques, comme par exemple celle des pesticides, à dire les agriculteurs sont coupables, ils polluent l'environnement. Et je pense qu'il faut vraiment sortir de ça. Il faut vraiment se dire pourquoi est-ce qu'un agriculteur produit de la nourriture? Et de ce fait, il faut réfléchir au fait que nous, on consomme cette nourriture et donc on a une responsabilité sur la chaîne d'occurrence. Donc c'est vrai que du coup, ça implique de mettre tout le monde face à ses responsabilités. On gaspille 25% de notre nourriture. Donc ne serait-ce que ça, ça permettrait de réduire l'utilisation des pesticides, donc peut-être aussi le développement de certaines substances. Et donc de réduire ces fameuses 100 000 substances peut-être à celles qui sont nécessaires. Et ensuite, encore une fois, les approches bioinformatiques, elles sont absolument essentielles pour pouvoir essayer de prédire comment ces substances peuvent agir sur l'organisme avec une forte implication aussi de l'intelligence artificielle, peut-être pour donner un petit peu d'air à l'homme dans sa manière dont il pourra évaluer l'effet de ces substances. J'ai fait une réponse un peu générale parce que je voulais rappeler ce concept de responsabilité à un moment, je n'ai pas eu le temps de le faire. Oui, Franceline Marano, je voudrais aussi vous dire que c'était vraiment bien votre présentation. Il y a une chose moi, que je trouve aussi devoir être pris en compte par les industriels, c'est cette notion qui est très portée par les ONG, qui est utile-futile. Bien sûr, il est évident que 100 000 substances, on ne peut pas les tester comme ça. Mais comme vous l'avez dit, avec donc l'acquisition de données, on va finir par faire des regroupements. Et donc toutes les approches modernes de la toxicologie, avec ce qu'on appelle nous les AOP, Adverse Outcome Pathway, donc qui est lié à la toxicologie mécanistique, on va finir par avoir la possibilité de faire ces analyses. Mais en amont, en dehors du safe donc by design, safer d'ailleurs by design, utile futile, c'est vraiment un principe qu'il faudrait porter. Et c'est possible qu'au niveau européen, puisque en ce moment il y a une modification, enfin on a une réflexion européenne sur le règlement REACH, avec peut-être une bascule vers non pas l'évaluation de risque, mais l'évaluation du danger. Hein. Donc ça va changer beaucoup de choses, hein. Ça, oui. Énormément de choses. Ça va remettre beaucoup de choses en question. Et bien cette question utile-futile devrait être prise en compte. Et celui du cycle de vie des produits, si je peux compléter. Franceline, attention au jugement de valeur, parce que qui juge ce qui est utile, ce qui est futile, ce qui est utile pour les pays du Nord, pour les pays du Sud. On a vu aussi les biais de certaines applications type Yuka, où on a cru effectivement que ce serait une panacée. En ce moment, on est en train de travailler sur un toxiscore, voire peut-être sur une carte d'identité des produits. C'est très important aussi que l'économie circulaire que l'on appelle de nos voeux soit un peu plus rigoureuse quant à la composition des substances que l'on recycle aussi. Une dernière pour la route. Oui, moi j'avais une question sur les personnes, les individus eux-mêmes et leur exposition finalement, et comment on pourrait, dans un système plus préventif, finalement évaluer le risque d'exposition. Et donc derrière, peut-être d'avoir des plans d'action pour aider ces personnes qui ont eu des ou qui sont aujourd'hui exposées à des substances chimiques ou à de la pollution. Parce que finalement, on évalue. J'ai pas vu dans un dossier patient le risque environnemental évalué en fait aujourd'hui. Non, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, c'est une des frontières à atteindre, surtout dans une université comme la nôtre, que comme le génome est entré dans la pratique médicale, que l'exposome puisse rentrer. Ce n'est pas si simple parce que c'est évidemment plus complexe que le génome, mais c'est pas parce que c'est pas simple qu'il faut pas commencer par quelque chose. Je prends un exemple, la qualité de l'air. Bon, on sait assez bien maintenant qu'il y a des problèmes liés à l'exposition à des polluants de l'air. Donc, selon l'endroit où une personne vit, on sait qu'elle va être plus ou moins exposée. Et déjà, c'est un premier point qui est extrêmement important. Ça, c'est un exemple. Alors, il y a beaucoup d'autres substances chimiques. On peut les doser dans le sang, mais on ne va pas les doser sur toute la population. En revanche, une autre force de la modélisation, c'est connaissance qu'une personne mange, où elle vit, où elle travaille.
on peut faire de la modélisation pour avoir quel c'est, a priori, quel est le risque le plus important pour elle en termes d'exposition à des produits chimiques ou physiques. Donc on peut faire quelque chose. Et pour compléter, si on devait commencer par une catégorie de personnes, parce qu'il faut bien commencer par une catégorie, je pense qu'il faudrait s'intéresser aux personnes les plus vulnérables, notamment embryons, fœtus, donc femmes enceintes et jeunes enfants. Vous allez pouvoir continuer cette discussion qui est passionnante autour du cocktail tout à l'heure. Je vais vous remercier maintenant et on peut... Merci infiniment. Et la transition sur la qualité de l'air était toute trouvée pour introduire le deuxième débat. Donc je vais appeler les participants à ce deuxième débat, qui sont Yann Sivry, qui est géochimiste à l'Institut de physique du Globe de Paris. Anne Souiri, qui est adjointe à la maire de Paris en charge de la santé publique, des relations avec les hôpitaux, de la santé environnementale, bien sûr, et de la lutte contre les pollutions et la réduction des risques. Soraya Buendia, qui est professeure à l'Université Paris Cité, historienne, sociologue des sciences. Et puis, Olivier Perret, qui... est l'un des anges gardiens, je dois dire, de l'université et de la fondation, qui nous accompagne de manière extrêmement fidèle, qui est président directeur général de Schlumberger France, entre autres fonctions, et directeur Nouvelles Énergies Europe. Je vous remercie beaucoup tous d'avoir accepté de participer à ce débat, et je voudrais peut-être donner la main pour une petite introduction à Yann en lui demandant de raconter, pour ceux qui n'y connaissent absolument rien, ce que sont les nanoparticules, pourquoi il faut s'y intéresser, est-ce que ça a un lien avec ce dont on a parlé tout à l'heure, en particulier la directive REACH, où est-ce que ça se trouve, d'où ça vient, en 1 minute 37. Ok. Merci beaucoup Gérard. Je te laisse faire. Je voulais aussi commencer par remercier la Fondation Université Paris Cité pour avoir organisé cet afterwork et pour m'y avoir convié. Alors pour répondre de façon succincte en 1 minute 37, ce que sont les nanoparticules, je vais peut-être dire des évidences pour certains, mais je pense que c'est indispensable de rappeler tout ça. Il y a une définition très stricte qui définit ce qu'est un nano-objet. Dès que l'on est dans la dimension inférieure à 100 nanomètres, on peut considérer qu'on est dans le nanomonde. À partir de là, on va définir des nanofilms si une seule de ces dimensions est inférieure à 100, des nanotubes si deux dimensions sont inférieures à 100, et des nanoparticules dans le cas où il y a trois dimensions. Alors ces nanoparticules, pourquoi on s'y intéresse? Parce qu'on s'est rendu compte il y a une quinzaine, vingtaine d'années qu'à cette échelle, la matière avait des propriétés spécifiques directement lié à cette taille nanométrique. Et donc, ça a ouvert le champ des nanotechnologies qui visent à exploiter ces propriétés pour le meilleur et pour le pire, mais surtout pour le meilleur, hein, faut être honnête. Il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites grâce à ces nanotechnologies. Et vous voyez sur les flèches, c'est-à-dire que à cette échelle de taille, on se retrouve dans la même gamme que des macromolécules, des protéines, typiquement l'ADN, voire même plus petit que l'ADN. Donc typiquement, une nanoparticule, ça correspond à un homme-grenouille qui se retrouve face à un sous-marin, et le sous-marin, c'est la cellule vivante. Donc vous voyez qu'il peut y avoir des interactions, que ça a du coup soulevé un certain nombre d'inquiétudes sociétales. Donc beaucoup d'études se sont intéressées à l'impact de ces nano-objets sur le vivant. Et avant de réaliser peut-être, ou en même temps, que ces nano-objets n'étaient pas uniquement manufacturés, mais qu'ils existaient de façon naturelle dans le milieu, à la fois
par les différents processus qui sont présentés ici, qui peuvent être des sources telles que les émissions volcaniques, telles que l'altération, l'érosion. Mais en plus des nanoparticules façonnées par l'homme, il y a celles qui sont produites non intentionnellement, accidentellement, et pour le coup, depuis que l'homme a inventé probablement la cupellation, donc la fusion du plomb. C'est-à-dire que ces productions de nanoparticules accidentelles ont été accrues depuis la révolution industrielle, évidemment. Et on doit donc faire face à la coexistence de ces trois différentes sources. Voilà, donc, je ne sais pas, ça fait un peu plus d'une minute 30, 37 38. J'ai beaucoup d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Non, alors, une fois qu'on... Ok, donc, il y a des nanoparticules qui sont émises, naturellement, pas naturellement. Donc, ça revient ensuite à trois questions pour moi. La première, c'est comment on les détecte. Et ça, j'allais dire, l'expert géochimiste peut en dire un mot. Mais surtout, une fois qu'on les a détectés, qu'est-ce qu'on fait? Et comment on bascule de la détection à la prévention? Et là, Anne, Olivier, Soraya, j'aimerais bien vous entendre également, parce qu'au fond, on débouche très rapidement sur la notion de politique publique. Donc, peut-être un micro-mot technique, comment on fait pour les détecter? Et puis, une fois qu'on les a détectés, so what? Alors, sur l'aspect détection, justement, ces inquiétudes ont démultiplié les forces qui ont été mises dans la bataille pour arriver à la détection de ces nano-objets dans des matrices qui sont relativement complexes, que l'on s'intéresse au milieu du vivant, donc milieu biologique ou milieu naturel. Ça relève souvent du défi d'arriver à détecter ces nano-objets. Il faut savoir aussi que détecter quelque chose qui est dans la taille nano, ce n'est pas suffisant pour caractériser l'objet en soi, et on a défini au moins 8 paramètres, et je l'en compterai davantage personnellement, qui permettent de définir la composition chimique, la structure, la forme, l'état d'agrégation, les propriétés physico-chimiques, la surface spécifique. Enfin, il y en a énormément, en fait. Ce qui fait que les techniques analytiques permettant de tout caractériser, en fait, il n'y en a aucune qui soit suffisante. En général, il faut multiplier les techniques. Alors, je pourrais vous les citer, je pense que ce n'est pas l'objet de la discussion, mais on y arrive, de mieux en mieux, beaucoup d'efforts. Mais une fois qu'on y est arrivé, Madame Souiri, qu'est-ce qu'on fait en termes de prévention? D'accord, on les a détectés. Et maintenant, comment on met en place une politique publique? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut avoir plusieurs solutions, en tout cas au niveau d'une ville, par exemple. On peut se dire que dans les PMI, je vais prendre un exemple, on peut déjà se dire qu'un certain nombre de produits utilisés, on vérifie qu'en tout cas, ce sont, par exemple, je vais prendre le Dexeril. Je prends un exemple, le Dexeril, qui est une crème pour les bébés, qui est donnée par toutes les PMI de France. Elle est bourrée de nanoparticules et elle est bourrée de perturbateurs endocriniens. Et c'est vrai, hein, c'est une réalité. Donc, par exemple, moi, quand je suis arrivée en 2017, une des premières choses que j'ai voulu voir, c'est les produits qui étaient utilisés dans les PMI. Et en particulier, ceux qui étaient donnés pour les gens les plus pauvres, parce que ça, c'est le seul produit qui est remboursé par la Sécurité sociale. Je vous donne juste un exemple. Eh bien, ça, déjà, de se dire que... On peut utiliser d'autres produits qui peuvent être pas chers du tout, où il n'y a pas du tout d'ajout de produits chimiques supplémentaires. C'est possible. Et puis aussi de faire changer la loi à un moment donné. Hein, parce que là, moi, je vous dis ça au niveau du l'huile. Mais ça, on pourrait aussi imaginer facilement qu'on arrête de rembourser ces produits-là où on sait qu'il y a des perturbateurs endocriniens et qu'on ne rembourse plus quelque chose où on est sûr qu'il n'y en a pas, en tout cas dans les connaissances actuelles. C'est quelque chose de possible. On peut faire d'autres choses aussi sur nos marchés publics. Quand on achète une politique d'achat, d'acheter des produits et d'avoir des clauses de revoyure en fonction des connaissances qu'on a, parce que ces connaissances, elles évoluent. Vous en parliez tout à l'heure sur 500 substances connues et il en reste presque 100 000 en plus. Bien, évidemment, quand on passe nos marchés publics, on n'a pas forcément la connaissance suffisante. Eh bien, on peut faire des clauses de revoyure. C'est ce qu'on a fait à la ville de Paris pour les couches, par exemple. Vous voyez, donc on a des solutions. Il y a des leviers et les marchés publics, évidemment, sont majeurs. Monsieur Perret, quand un industriel entend ça, qu'est-ce qu'il se dit?
à la fois en termes de production et puis en termes de, je dirais, de, si je pose la question, c'est bien sûr parce que je sais à quel point ça vous occupe, en fait, en termes de sciences citoyennes et de responsabilité sociale des entreprises. Oui, merci. Merci, Gérard. D'abord, merci à la Fondation pour cette invitation. Enfin, je ne suis pas sûr. Je dis merci pour l'instant. Je vais voir. Pour l'instant, tout va bien. Tout va bien pour l'instant. Et si j'ai bien compris, mon rôle, c'est l'industriel de, hein, de service ce soir. Et le donc, citoyen, je suis éclairé. Le citoyen éclairé en même temps. Il se trouve que j'appartiens à l'industrie de l'énergie, qui était très fossile jusqu'à présent. On est en train de se transformer. On aura peut-être l'occasion d'en parler pour l'impact sur l'environnement, justement. Et moi, je dirais qu'il y a deux choses, pour prendre un peu de distance, parce qu'on n'est pas précisément dans les nanotechnologies, dans les nanoparticules, mais là où l'industriel peut avoir un rôle, au-delà de son rôle citoyen, c'est une chose qu'il ou qu'elle fait bien, c'est l'industrialisation d'un processus qui a pu être inventé à l'université, par exemple, par la recherche, en particulier la recherche publique. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les industriels sont très ciblés sur ce qui se passe sur la recherche publique parce qu'il y a tellement d'enjeux, en particulier celles qui sont vertueuses, qu'on a prouvé qui étaient plus vertueuses que les autres, on arrive à les distribuer partout. Et c'est là et j'ai bien aimé la table ronde précédente parce qu'il y avait cet aspect de dire, je crois que c'est Mme Gillet qui disait n'oubliez pas les industriels quelque part, parce qu'il faut se relayer derrière. Et donc, on est là aussi, évidemment, pour répondre et faire partie de la solution. Et les industriels ont su s'adapter. Hein, je veux dire. L'exemple bateau des vaporisateurs qui augmentaient le trou d'ozone et qu'on a supprimé, pour le coup, et où on a vu des effets court terme se produire, des effets vertueux court terme se produire. Donc, Le côté inéluctable n'est peut-être pas complètement certain. Cette notion de prise de conscience, est-ce qu'elle est récente, Soraya, ou est-ce que finalement ça existe depuis très longtemps? Et si je pouvais compléter pour une notion qui tient beaucoup au cœur de Marc Chaussidon, l'anthropocène, vous le dateriez comment, vous? Je ne répondrai pas à la place de la commission qui se réunit au mois de mai, qui va peut-être. Je suis honoré de penser que j'ai posé une question qui va nécessiter qu'une commission se réunisse. Oui, bien sûr, il y a une commission sur la question pour essayer de savoir quand est-ce qu'on va dater l'anthropocène. Et ça concerne directement nos questions, parce que ce qui semble prendre le pas, c'est probablement de le dater autour de 45, pas simplement à cause des essais nucléaires dont on trouve la trace en géologie, mais aussi du plastique et ce qu'on appelle la grande accélération. Parce que je pense que ce qui est aussi, en tout cas autant qu'historienne et sociologue, ce qui est important dans ces questions-là, c'est pas substance par substance. Parce que je pense qu'on n'en est plus à 100 000. Si je ne me trompe pas, il y a eu un article au mois de février du Centre de Stockholm qui a revu à la hausse le nombre de substances, très à la hausse, hein, le nombre de substances chimiques. Le problème, c'est qu'il y a aussi des dynamiques de longue durée. C'est la préoccupation de l'environnement s'est développée pour aller vite dans les années 60. On a parlé de Carson, etc. Mais elle a pris une urgence absolue avec le croisement avec le changement climatique. On voit qu'on est dans une crise environnementale notre environnement est saturé. C'est un peu l'article en question qui vient du centre de Stockholm, de la résilience de Stockholm, qui est très connu et qui indique que pour les pollutions chimiques, nous avons atteint les limites planétaires. Donc cette notion de la limite planétaire dont on peut discuter, mais qu'on est au-delà de ce qui devrait rendre la vie plus difficile dans le futur. Alors je ne dis pas ça de manière négative ou plus inquiète, parce que ça fait tellement longtemps que je travaille sur les sciences chimiques, il ne faut pas trop s'inquiéter quand on travaille sur ce genre de questions, mais pour dire qu'il y a des dynamiques de fond, vous l'avez indiqué, justement que souvent l'innovation
la mise sur le marché des produits, les nanomatériaux sont un cas tout à fait intéressant, va beaucoup plus vite, l'industrie va beaucoup plus vite que les régulateurs, va souvent beaucoup plus vite que même la recherche, et qu'est-ce qui se passe? Ben, on vous court après, en permanence, et donc ce sentiment qui peut être partagé par les citoyens, parce qu'il ne faut pas oublier que la perception et la préoccupation sanitaire des citoyens est très importante, c'est que on connaît ces problèmes depuis longtemps, mais qu'on n'agit pas, mais de fait, les problèmes se transforment, les polluants ne sont plus les mêmes, c'est plus le mercure, etc. Donc c'est aussi une réflexion sur la manière peut-être dont est structurée notre régulation par rapport à la vitesse de l'innovation, d'où l'importance d'agir vraiment à la base, au niveau de l'innovation. Oui, j'ai une réaction sur le fait que néanmoins, on ne peut pas se permettre de dire on va ralentir quelque part l'innovation. Donc, il va falloir l'intégrer d'une certaine façon. Nous, ce qu'on voit beaucoup, une évolution là sur les interactions justement entre public-privé. Je vais vous donner un exemple de ce qu'on fait. Alors, c'est un peu loin des nanotechnologies, mais c'est très prégnant dans notre industrie de l'énergie, et en particulier de l'énergie fossile. C'est les émissions de méthane. Ok, émissions de méthane, 10% de contribution au gaz à effet de serre. On parle beaucoup du CO2, qui est la dominante, mais le méthane, ça contribue énormément. Et il se trouve que c'est l'industrie pétrolière et gazière qui est de loin la plus grosse émettrice de ce méthane. Et donc, là, ce n'est pas la course nécessairement à la nouveauté, les nouvelles molécules et autres, mais c'est comment un industriel de cette industrie-là peut être interpellé quelque part et peut-être même prendre le leadership. C'est ce que moi, mon entreprise essaye de faire pour dire il faut absolument baisser ces émissions de méthane. C'est essentiellement des fuites créées par des fuites dans des puits, hein, les puits à gaz qui fuient, des pipelines qui fuient, etc. Comment fait-on? Comment passe-t-on à l'échelle? Comment mesure-t-on? Satellite, drone, si, ça, là, l'industriel a sa place à jouer complètement, et il faut même l'inciter à dire vas-y, c'est là qu'il faut investir. Et puis derrière, offrir un service qu'on va faire passer à l'échelle de telle façon que les industriels eux-mêmes réalisent oups, il y a des fuites ici, il y a des produits. Et donc, comment. Peut-être ça ne répond pas exactement à votre question, mais comment crée-t-on cet espace, un peu plus de confiance même, en disant qu'on a besoin de tout le monde dans la chaîne et qu'on espère bien qu'une grande partie, une fois de plus, de la solution va venir de ceux peut-être qui créent aussi le problème dans cette chaîne-là. C'est exactement là que je voulais arriver parce que, et ce sera une question pour Anne, alors on parle beaucoup aujourd'hui de démocratie sanitaire, de science participative. On se rend compte avec la pandémie que la manière de mettre le curseur pour ne pas basculer dans le tribunal populaire ou dans la démagogie populiste et en même temps en informant de la manière la plus transparente possible, en associant, en embarquant le mieux possible une population et en l'associant aux décisions politiques qui sont prises, une fois qu'on a dit ça, il n'y a plus qu'à le faire. Mais c'est extraordinairement difficile. Je ne sais pas quel est votre sentiment, Anne. Écoutez, il y a deux choses. D'une part, pour répondre à monsieur sur la question des énergies et de la réduction des risques, je me permets d'abord de lui répondre avant de répondre à votre question. Mais ça montre à chaque fois qu'il y a quand même au moins deux stratégies. Une stratégie qui est la réduction des risques par rapport à une situation donnée. C'est ce que vous dites quand vous parlez de voir comment on peut contenir le méthane ou comment on peut réfléchir à moins de risques, moins de dommages de ce côté-là. Et puis, il y en a une autre qui est de se dire peut-être qu'il faudrait changer d'énergie.
Voilà, c'est ça. Non, mais c'est une vraie question, et ce n'est pas seulement là où ça se pose, ça se pose dans beaucoup de, sur beaucoup de sujets, et c'est des questions, là pour le coup, parce que moi on me demande de faire, je fais la politique, hein, donc c'est la vraie question, c'est de se dire comment on peut aider, parce qu'il ne s'agit pas de condamner et de couper la tête des industriels qui font, avec, enfin, qui font ce qu'ils savent faire, c'est de comment on les aide à un tournant, parce qu'on estime que c'est nécessaire d'un point de vue du climat, de la santé publique, et que donc il va falloir le faire ensemble. Donc, vous voyez, et ce choix entre réduction des risques et changement de stratégie, parce qu'effectivement, peut-être qu'on peut faire autrement complètement, c'est important. Ça me fait penser à la question, qui n'a rien à voir, mais vous allez voir quand même le sujet, de refaire à l'identique Notre-Dame avec 400 tonnes de plomb sur sa toiture. Eh bien, on pourrait très bien imaginer qu'au lieu d'essayer de voir comment on va le recouvrir d'une petite membrane pour que ça soit, peut-être que pour le ruissellement, ce sera un peu moins dangereux, eh bien, on pense à autre chose que du plomb. Voyez, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est de se dire, est-ce qu'on fait de la réduction des risques ou est-ce qu'on choisit de faire un autre mode de, ou d'industrialisation ou qu'on emploie d'autres matériaux ou d'autres énergies. Donc ça me paraît être les vraies questions fondamentales. Pour vous répondre sur votre question, sur la, c'est pas la même. Pour qu'on ait quelques minutes d'échange avec la salle. Allez-y. Brièvement, excusez-moi, je parle trop longtemps. Alors, donc, je vais essayer de faire ça en 30. Pas longtemps, c'est que l'agenda est contraint, mais ok. Alors, le tribunal populaire, je pense que ça n'arrive jamais quand les choses sont bien faites. Et à chaque fois qu'on a fait des comités citoyens, en particulier, je me souviens à la région, parce que moi j'ai été élue au Conseil régional de France il y a très longtemps, et il y avait eu un comité citoyen sur la question des nanoparticules, qui avait été faite par, à l'époque par Marc Lipinski, je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient ici, en tout cas mené par lui. Et ça avait abouti, pas du tout à un tribunal populaire, mais à vraiment des recommandations tout à fait intéressantes. Après, est-ce que la région avait les moyens de mettre en œuvre ces recommandations? C'était une autre problématique. Mais moi, je n'ai jamais vu, quand on associait les gens, à des tribunaux populaires. Ça, c'est un espèce de mythologie très française. Et au contraire, on arrive en général à faire quelque chose de beaucoup plus raisonnable et raisonné quand on le fait avec les gens. Et on le voit dans tout le champ de la santé communautaire, de la santé quand on a combattu des épidémies. Et c'est la même chose pour la santé environnementale. Je ne sais pas si j'ai été trop... Me voilà rassuré. Oui, une micro-intervention. Et peut-être qu'on va prendre quelques questions, ce qui vous permettra de rebondir, car c'est vous qui allez répondre. Juste un droit de réponse. Juste. Quand même. Et vous avez absolument raison. Je vous suis totalement sur le fait de dire on parle du gaz, il faut arrêter le gaz. Il faut arrêter le gaz, vous et moi, pas les industriels hein, seulement. Vous et moi, il faut arrêter de sa chaudière à gaz quand on va dans son appartement. Et pour ça, il faut interpeller les industriels en disant comment vous faites, vous, pour nous aider. Il se trouve qu'on travaille avec l'Institut de physique du globe de Paris là-dessus, parce que pour parler du gaz et de la dépendance en particulier au gaz russe, pour l'éviter, il faut éviter de se chauffer au gaz dans nos appartements. Il y aura moins de méthane. Et il y a une technique qui est développée par les industriels, les mêmes qui font la production de méthane, parce qu'ils maîtrisent bien le sous-sol, c'est la géothermie. Okay. Donc, il faut que, dans une discussion citoyenne comme ça, on ait le courage de dire à la fois, le gaz, est-ce que moi, en tant qu'individu, j'arrête? Oui et non. Et quand? Parce que ces cycles énergétiques qui sont très très longs, okay. Donc la transition, il faut accepter le fait qu'elle va prendre des dizaines d'années. Okay. Mais il faut une immédiateté dans l'implémentation de nouvelles techniques qui permettent de se projeter complètement vers des énergies vertes. Elles existent. Aujourd'hui, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous en tant que citoyen d'aller acheter de la géothermie. De la géothermie plutôt qu'une chaudière au gaz. On va prendre quelques questions qui nous permettront de rebondir parce qu'on a 7 minutes. Francine Maradon. Encore moi, oui. Non, mais c'est simplement pour remercier Soraya.
mais là, c'est pour remercier Soraya d'avoir donc évoqué quelque chose qui tient beaucoup à cœur des gens comme moi qui s'intéressent depuis très longtemps à la question de la santé environnement, c'est-à-dire qu'il faut que les industriels associent à la mise sur au développement de leurs produits, que ce soit des produits chimiques ou aussi des agents physiques, hein, vraiment l'évaluation environnementale, l'évaluation sanitaire, et ce qui n'est pas fait. Alors l'exemple des nanos est tout à, que je connais particulièrement bien. Dans mon labo, on travaille encore sur ces questions et on a été parmi les premiers en France à s'intéresser à la nanotoxicologie. Eh bien, est très caractéristique de cela parce que l'évolution technologique des nanotechnologies avait déjà bien démarré, était déjà sur le marché, alors que l'évaluation toxicologique et donc l'évaluation sur les impacts sanitaires et environnementaux n'était absolument pas faite. Il y a eu un décalage de presque 20 ans. Donc il faut que, comme l'a dit Soraya, il faut absolument que ça soit pris ensemble. Et c'est ce qu'on dit depuis très longtemps. On espère qu'enfin les industriels écouteront les propos des scientifiques sur ces questions-là. Voilà, je voulais en profiter d'être là pour insister encore là-dessus. Je ne vais pas réinsister, mais comme on a parlé d'énergie renouvelable et de transition, ça s'y applique parce que l'énergie renouvelable, ce n'est pas simplement la géothermie, mais le solaire, l'éolien et notamment le solaire, parce qu'il y a un certain nombre de produits chimiques qui sont dans les panneaux. Il y a déjà des discussions parmi les spécialistes de la santé environnementale de savoir si à terme la question du cycle de vie et des déchets, qu'est-ce qu'on va faire avec ces déchets? Je travaille sur les déchets actuellement et c'est très désespérant par moment. Qu'est-ce qu'on va faire de ces déchets-là? Donc cette vision qui intègre recherche. Ce n'est pas contre l'innovation du tout industrielle, mais d'avoir une vision cycle de vie et une vision où on associe d'emblée justement l'évaluation scientifique des risques. Mais ça serait limitant de penser que les industriels ne font pas des analyses de cycle de vie. J'aimerais pas que tout le monde pense que tout d'un coup, c'est quelque chose qu'on découvre ce soir dans le panel. Oui, une question assez rapide. Jean-Baptiste Renard, je suis chercheur spécialiste en particules fines au CNRS à Orléans. Et les propos sont extrêmement intéressants, mais vous savez tous très bien que nous, la recherche fondamentale, on a peu de moyens. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose d'incitatif, voire d'obligatoire, quand les industriels développent quelque chose, avec un programme de recherche associé? Autre manière de dire la même chose, est-ce que l'État aussi ne devrait pas obliger les industriels à faire appel de manière indépendante à soutenir des programmes de recherche, quelles que soient les conclusions qu'il y aura à ces programmes? Actuellement, si on veut se saisir d'un sujet, on est obligé de passer par des ANR ou d'autres systèmes. On va être en concurrence avec d'autres sujets tout aussi intéressants, mais peut-être que notre étude ne sera pas retenue. Or, si on vraiment veut travailler sur les impacts environnementaux, on ne pourra le faire au niveau de recherche fondamentale que si on a un soutien ferme et fort du ministère en nous incitant à travailler sur ces sujets et en y mettant les moyens financiers et humains associés. Pour avoir fait, je vais prendre le point, pour avoir fait un petit peu de recherche dans ma vie, j'ai entendu pendant 4 décennies les deux thèses qui s'affrontaient. La recherche est libre, monsieur. Nous ne voulons pas d'une recherche fléchée. Nous ne voulons pas de programme de recherche sur tel ou tel sujet. L'inventivité, la créativité est l'ADN de la recherche. Et quand on fait des programmes blancs, y compris à l'ANR, c'est-à-dire laissant toute latitude du champ thématique adressé, et on dit, mais comment ? Vous ne fléchez pas la recherche alors qu'on a des sujets aussi importants que l'énergie et la transition? Donc, voilà, je n'ai pas la réponse à cette question-là, mais on voit bien que là, on est d'un côté du pendule et puis le pendule va pencher ensuite de l'autre côté. Je vais être obligé d'arrêter ce débat. Je suis désolé parce que ça commençait à être bien et j'étais sûr que les 2 prochaines heures auraient été formidables. Oui, juste une remarque, s'il vous plaît. Laurence Verneuil, je suis chercheure en recherche qualitative et donc nous sommes université Paris-Cité. Nous avons des chercheurs, nous avons des industriels et je crois qu'en effet, comme l'a soulevé la jointe à la mairie de Paris, que la question citoyenne est quelque chose d'essentiel,
et que néanmoins on ne sombre pas pour autant dans le populisme. Je crois que la démocratie participative a du sens. Merci beaucoup. Est-ce que je peux réagir, Gérard ? Je vous remercie beaucoup pour tous les quatre. Et c'est un nom. Vous allez pouvoir, dans quelques minutes, continuer à échanger autour d'un verre. Mille merci. Et on peut applaudir, comme on dit dans les nos... nos talentueux intervenants, parce que c'est vraiment une gageure de le faire en si peu de temps. J'ai le très très grand plaisir d'accueillir maintenant Cynthia Fleury. Cynthia est philosophe, psychanalyste, et comme on disait dans le temps, c'est une compagne de route, ou un compagnon de route de l'université Paris-Cité depuis fort longtemps, et on s'est vu dans des contextes tout à fait différents. Je suis ravi, Cynthia, et mille merci que tu aies accepté de partager quelques réflexions sur le monde que nous laissons aux générations futures et le nombre de séances de thérapie qu'il faudra pour rendre cette situation supportable. Bon, c'est bien comme entrée en matière. Je vais essayer surtout de respecter le temps imparti. D'abord, vous redonner un tout petit peu une petite historiographie, entre guillemets, mais très, très, très succincte du concept de génération future. Et puis, effectivement, revenir sur à la fois le portrait et les attendus. Alors, les générations futures, c'est un concept qu'on trouve... d'abord plutôt chez les peuples autochtones, puisque c'est les premiers à avoir parlé dans leurs textes des générations futures dès le XVIIIe siècle et même avant en l'occurrence, alors que nous, le terme de génération future, on peut l'avoir dans un premier temps chez des auteurs du XVIIIe, on peut le trouver par exemple, on va parler de génération future même chez Jefferson, mais chez Jefferson on va parler de génération future pour dire qu'il ne faut pas les lier par la question de la dette. Donc, ce n'est pas totalement la question de l'environnement, mais on n'a pas le droit de lier le destin des générations futures par le fait de transmettre une dette qui serait trop lourde et qui viendrait accaparer les générations futures. On a un autre terme, et c'est une tradition cette fois-ci, pas néolibérale, mais plutôt une tradition du contrat, du solidarisme naissant, etc. 18e siècle, Fourier, et puis plus tard, l'école de Nîmes, Léon Bourgeois, etc., où là, on va parler beaucoup des générations futures, mais du lien intergénérationnel qui constitue, en fait, la validité du contrat social. Et là encore, donc, c'est pas totalement par la question de l'environnement, mais par la question des solidarités. Et n'empêche que nous avons, en France... une loi qui est celle de la solidarité écologique et qui quand même a récupéré aussi un peu cette tradition. Mais cette fois-ci, en l'occurrence chez les auteurs du solidarisme, vous avez, voilà, on est aussi en dette des générations anciennes. Donc on est ensemble. Donc c'est un, voilà, le concept de génération future tel qu'on le connaît plutôt aujourd'hui, c'est un petit peu plus récent. C'est porté notamment, hein, je vais très très vite, en 1979, Principe Responsabilité, Jonas, qui est un des premiers grands philosophes à vraiment même parler de futurologie, d'éthique du futur, de transformation des impératifs catégoriques, parce qu'il quitte l'univers kantien justement pour considérer que l'éthique kantienne est trop une éthique du présent, et qu'il faut inventer cette éthique du futur parce qu'on est en train de préserver la vie pour qu'elle soit authentiquement humaine pour les générations futures. Donc on voit comment on a une axiologie qui est construite sur le fait de ne pas porter, comme dirait mon cher collègue Dominique Bourg, de dommages transcendantaux. Donc ça c'est Jonas, et puis bien sûr c'est repris de façon plus onusienne parce qu'on connaît bien le rapport Brundtland 86 qui là pose très concrètement comme nouvelle partie prenante de l'agenda international et de l'agenda politique les générations futures. Donc
voilà un petit peu ces générations futures. Et comme ça a été vraiment plus que dit et par ceux qui m'ont précédé, c'est la génération qui défend quand même One Health, hein, donc ce continuum des santé. Et quand je dis ce continuum des santé, effectivement, santé environnementale, santé de l'homme, santé humaine, mais aussi santé des démocraties, parce qu'en fait, on a des indicateurs aujourd'hui, je pense notamment aux travaux des lois Laurent, mais il y en a d'autres, hein, des indicateurs qui montrent véritablement qu'on a des phénomènes de renforcement des vulnérabilités, et que là où il y a un déficit démocratique, il y a un déficit généralement sur la question des territoires, du sol, des ressources, qui a donc que le déficit de gouvernance démocratique se traduit immédiatement par un fardeau environnemental très fort qui va porter sur certains, mais aussi par des pillages, par des exploitations, par un système d'extraction des ressources totalement voraces et dangereux. Et puis bien évidemment que ça vient impacter la question de la santé tout court, et puis de la santé également économique. Donc par n'importe quel bout vous rentrez, vous êtes dans un système de boucle de rétroaction très fort, et vraiment les indicateurs aujourd'hui cherchent à mettre ce qu'on pourrait appeler des cartographies dynamiques pour montrer à quel point il nous faut relier, il nous faut ces approches, encore une fois, systémiques pour, voilà, pour travailler là-dessus. Alors, on a plusieurs points. Je vous donne, c'était également, alors c'est un programme, parce que l'air de rien, je suis une amie de la Fondation, mais j'ai même trouvé un lien un peu plus filial, entre guillemets, un peu plus, parce que je suis titulaire d'une chaire qui est la chaire de philosophie du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, et qui, l'air de rien, se rattache peu ou prou à cette université Paris-Cité. Et justement, on a un programme de recherche sur ces cartographies dynamiques qui essayent de lier les hotspots de la biodiversité et de la vulnérabilité. Et donc, je vous renvoie si ça vous intéresse, mais ça part de la chose suivante, qui est de considérer, alors c'est une approche un peu moins catastrophiste que celle qui est généralement posée et qui essaye d'avoir une approche capacitaire des vulnérabilités, mais néanmoins vous savez ce que sont les hotspots de la biodiversité. Les hotspots de la biodiversité, c'est tout simplement ces lieux qui sont régulateurs, qui correspondent à 2-3% du territoire terrien et qui sont régulateurs pour entre 30 et 60%, parce que ça varie, des services écosystémiques de la Terre. Donc ce sont des lieux compliqués, des lieux très intéressants pour la philosophe politique que je suis à la base, parce que la question c'est quid de la gouvernance des hotspots de la biodiversité. Il est hors de question que, bien évidemment, ces hotspots, on ne respecte pas, c'est l'enjeu de l'ONU, on respecte toujours la souveraineté des États, et en même temps on ne peut pas simplement que respecter la souveraineté des États quand on a des endroits qui sont régulateurs pour l'ensemble de l'agenda terrien. Et donc la question demain, en termes de gouvernance démocratique, de gouvernance politique, c'est quelle est la combinaison de souveraineté qu'on va inventer pour articuler à la fois une gouvernance mondiale de l'environnement, de la santé, etc., avec bien évidemment les respects des agendas nationaux. Et c'est ça l'aventure du 21e siècle pour la théorie politique, c'est passionnant. Et donc cet enjeu, cette cartographie là des hotspots de la biodiversité, elle est non seulement essentielle pour la révolution, si j'ose dire, de la gouvernance de l'environnement, mais aussi pour la gouvernance de la démocratie. En fait, c'est lié, c'est totalement lié, parce qu'elle va rénover véritablement nos approches démocratiques et en l'occurrence de philosophie politique. Là-dessus se greffe ce qu'on appelle une cartographie des hotspots de la vulnérabilité. Et à ce moment-là, l'enjeu, c'est d'adjoindre à ces hotspots de la biodiversité précisément des lieux qui sont hyper vulnérables et qui viennent tout simplement nous expliquer les failles systémiques
dans lesquelles nous allons nous propulser. Yuan aurait pu être un lieu de faille systémique, mais il y a d'autres lieux qui sont des lieux de vulnérabilité forts, généralement liés à des catastrophes environnementales, mais pas que, des lieux de post-conflit, en tout cas des lieux hyper traumatiques. Et au lieu d'aller vers ces lieux de façon comment dire, victimaire, on va essayer au contraire d'aller cartographier ces lieux et de considérer qu'il faut avoir une approche capacitaire de ces lieux et de considérer que là se jouent des protocoles de résilience pionniers et que à ce moment-là, en les mettant en réseau, ces hotspots de la vulnérabilité, ben, on pourra demain avoir une gouvernance plus intéressante de la mondialisation, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est un projet et qui, pour le coup, enthousiasme ces fameuses générations. Vous avez raison de nommer ces générations climate change ou crise climatique, ou je ne sais pas. C'était, comment dire, Karl Mannheim dans les années 30, 1928, qui disait, voilà, qu'est-ce qui définit une génération ? Une identité générationnelle, c'est souvent un marqueur historique. Génération SIDA, génération Covid, génération climate change. Donc on a aujourd'hui ceux pour qui l'histoire recommence. Vous vous rappelez de Fukuyama qui disait l'histoire est terminée. Bon, ben, je pense que non. De fait, on a. C'est d'ailleurs passionnant pour ces générations qui ont très envie de commencer. Et je dirais, pour conclure, que vous connaissez peut-être ce concept de Peter Kahn qui parlait d'amnésie générationnelle environnementale. Il est très très clair que cette génération et génération future, c'est la sortie de l'amnésie générationnelle environnementale à coup de pied quelque part. Et donc ça, c'est posé, c'est la génération de la reconnexion. Malgré tout avec la nature, c'est c'est aussi la génération, si vous voulez, parce que vous avez parlé beaucoup du lien entre santé et environnement. Je vous dirais, dans la santé, bien sûr vous le présupposez, c'est évident, mais je vais quand même le souligner, il y a la santé mentale. Je vous en prie, c'est un des points essentiels, parce que oui, il y a des facteurs, je ne vais pas envoyer à l'éco-anxiété, etc., parce que c'est un point parmi d'autres, mais les facteurs environnementaux viennent considérablement aussi impacter les troubles psychiatriques. Je ne parle même pas des troubles alimentaires, etc., et de la question environnementale. Donc c'est vraiment des points essentiels. Vous rappelez également que demain, pour bien comprendre cette holistique dont nous parlons, santé, environnement, climate change, on parle d'aller travailler sur les co-bénéfices du climat. Sachez que parmi les co-bénéfices de cette transition environnementale, quel est le premier co-bénéfice listé par l'OMS, l'ONU, le PNUD, etc. ? La santé. Donc voilà, il ne tient qu'à nous de lancer ce grand chantier de santé et environnement. Voilà, je vous remercie. Formidable. Merci beaucoup, Cynthia. Juste pour rebondir sur la santé mentale, pour dire que, oui, la santé mentale, et pas seulement parce que c'est une des quatre grandes causes, si j'ai bien entendu, du prochain mandat d'un des candidats, mais surtout parce que le dernier incubateur de santé numérique que la Fondation Université Paris-Cité a co-construit est un incubateur en e-santé mentale qui s'appelle Impact, qui a eu sa première fournée de lauréats. Il y en a un dans la salle. Et cette santé mentale, elle aussi, elle absorbe des nouvelles technologies, elle absorbe des nouvelles approches et elle est évidemment au cœur de nos préoccupations. Alors une fois qu'on a dit tout ça, eh bien je vais demander à Marc Chaussidon de tirer quelques enseignements de cette heure et demie.
Ça va être très rapide et je ne vais pas être aussi brillant que tous les gens qui ont parlé. Donc je pense que tout le monde est absolument convaincu que pour ces questions de santé environnementale dont on a parlé, l'approche globale est absolument indispensable. Il faut avoir une vision globale et intégrer beaucoup d'approches différentes dans nos disciplines différentes. Et j'espère que vous êtes plus convaincus maintenant que Paris-Cité est un endroit où ça peut se faire, où la magie peut opérer. Si je prends juste un exemple qui est plus proche de moi, donc à l'Institut de physique du globe, je prends l'exemple d'un territoire où tous ces risques sont environnementaux, telluriques, climatiques, sont concentrés, se conjuguent. Je prends l'exemple par exemple de la Guadeloupe, où nous avons un observatoire volcanique qui suit le risque volcanique, qui surveille le volcan, un observatoire qui suit l'érosion des roches en mesurant la composition des eaux et des sols et ainsi de suite. Et ben naturellement les gens travaillent ensemble et vont vers une autre problématique évidemment qui est très prégnante là-bas, qui est celle du chlordécone et d'autres polluants organiques. Et en fait on voit que l'alchimie commence à se faire autour de cette question. J'avais été très étonné à l'IPG quand j'avais décrit la fondation, parce qu'on m'avait dit pas tous, mais certains m'avaient dit, mais donc c'est quoi cette histoire environnement santé? On n'a plus le droit de travailler sur l'environnement tout seul si ça n'intéresse pas la santé. Et donc ça avait été une des réactions. Donc en fait, je pense que tout l'intérêt des programmes qu'on voit là, c'est justement d'arriver à peut-être faire basculer une partie des communautés vers des sujets qui sont importants. Moi, je connais mieux, je pense, la composition, l'origine, l'histoire des grains nanométriques et micrométriques qui sont dans des météorites, qui sont des poussières d'étoiles, que les grains micrométriques ou nanométriques qui sont sur le bord de ma fenêtre à l'Institut de physique du globe. Mais on a les techniques qui permettent d'utiliser ça, de tracer, et qui peuvent même permettre de tracer avec des compositions isotopiques ces grains, même dans le corps humain. Et donc, en fait, je pense que c'est pas simplement parce qu'on est tous foutus qu'il faut se mettre à travailler là-dessus. Je pense que c'est parce qu'il y a de la science fondamentale très très originale et très motivante à faire, et on est une université, et donc je pense que c'est en montrant ce type de projet qu'on va attirer la génération CC et avoir de plus en plus de monde qui s'investisse là-dessus. Merci à tous. Merci. Moi, ça me fait chaud au cœur d'être capable de dialoguer et de susciter du dialogue entre des historiens, des sociologues, des philosophes, des chimistes, des géochimistes, des biochimistes, et j'en oublie, et des politiques, et des industriels. Donc, c'est exactement à ça que nous servons. Voilà, c'est une démonstration grandeur nature de notre rôle, et puis de temps en temps, je l'espère en tout cas dans les années qui viennent, de quelques succès en termes d'apport de valeur à des équipes qui font un travail absolument formidable. Il me reste deux choses à vous dire. La première, c'est que j'ai oublié de vous dire que Yann Sivry porte une chaire qui s'appelle Nanops, pour laquelle nous sommes dans le processus de financement également. La deuxième, c'est que le cocktail est prêt et vous attend. Et le troisième, c'est que je vous donne rendez-vous le 7 juillet prochain pour le prochain After Work. Tu peux déjà, Christine, noter ça. Merci beaucoup. Et celui-là sera consacré à l'intelligence artificielle. Mille merci et continuons ensemble autour d'un verre.